Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 8, oui c'est ça, 8, hein, ouais, de l'épopée d'un enchanteur. Donc je voulais revenir sur 2-3 trucs. Déjà, comment j'avais dit que j'utilisais le launcher de comment de. Je sais plus le nom là, Kinect, c'est ça. Finalement j'ai changé parce que le launcher était un peu trop lourd. Et attendez, le TS. J'ai un message sur le TS. Je vais couper mon TS. Hop. Microphone muted. Sound muted. Voilà. Donc finalement j'ai changé, j'ai repris en fait Magic Launcher a fait une mise à jour qui est compatible avec la 1.6, donc j'ai repris comment le comment Magic Launcher. Je l'ai mis dans le comment dans le dans le setup qui est disponible sur mon site. Alors il est possible que si le setup vous dit échec lors de l'installation du comment du launcher, en fait c'est simple, il faut aller dans votre fichier AppData et puis en fait il y a le launcher Magic Launcher, il faut faire un raccourci sur votre en fait il faut faire un clic droit, envoyer vers votre bureau, en fait créer un raccourci sur votre bureau. Et vous utilisez le raccourci qui sera sur votre bureau. Voilà, c'est simplement ça en fait qui est censé faire le script que j'ai fait, mais je sais pas pourquoi sur certaines versions, notamment sur Windows 8, j'ai vu, il ne marchait pas et je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà. Je me replongerai dans le code plus tard. Mon PC me fait des trucs bizarres en ce moment. Il n'est pas impossible que je le reformate dans les prochains jours. Donc là, je vais me dépêcher de tourner enfin, comment, un maximum d'épisodes, même si ça va pas être évident. Et puis le reformater et puis tout réinstaller pour refaire des vidéos en HD le plus rapidement possible. Les enchantements, j'ai passé donc une journée entière et même une partie de la nuit à enchanter des bouquins et à les fusionner. Donc ici ce sont les bouquins non finales qui me restent, donc ceux qui peuvent encore être à améliorer. Et ici ce sont les bouquins finaux. Alors j'ai fait des enchantements 1 essentiellement, mais sur la fin j'ai fait des enchantements niveau 8 et enfin niveau 5-8 et je suis tombé sur des reculs sur des solidités donc voilà, donc on a aisance aquatique, bon bah ça c'est pas difficile à avoir, donc on en a toute une chier, j'en ai même balancé dans la lave tellement on en avait. Protection 4 donc j'en ai 9 et puis en haut hop c'est le surplus, donc il y en a 3 de plus, donc c'est vraiment pas difficile à avoir. Protection contre les projectiles, j'en ai 3. Donc de niveau 4 hein. Puissance 5, tranchant 5, j'en ai 5 et efficacité 5, j'en ai 5. Voilà. Ça ce sont encore des trucs qu'il faut que je mette dans le coffre. Donc j'ai fléau des arthropodes. J'en ai plus de fléau des arthropodes. Ouais. Donc voilà comment je m'organise, comment je mets en fait niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et ici, bon, bah, un petit peu ce qu'il y a en vrac. Puis dès que ça atteint le niveau 5, de toute façon, pour la plupart, je sais que ça va dans le coffre final. Chute amortie, chute amortie. Puissance, efficacité, non. Chute amortie 1 là. Ça c'est 4. Bon, on va le mettre avec. Puissance 2. Tiens, je peux les fusionner. Ouais, mais j'ai plus de niveau de toute façon. Ah non, c'est puissance 3. J'ai rien dit. Bah j'ai un puissance 3. Enfin voilà, c'est comme ça que je procède. Efficacité 3, j'ai vu que j'en avais un. Donc on pourra le fusionner également. Et tranchant 4, je dois pas avoir. Tranchant 4, j'ai pas. Donc, hop, on va le mettre ici. Ok, bon, donc voilà un petit peu comment je procède. Je sais que je devrais fusionner encore ces bouquins-là plus tard.
Pour le moment, je sais, je vais les mettre là, voilà. Je vais les mettre dans le coin là. Normalement, c'est là où je balance les... Comment, là où je mets ceux qui sont inutiles, ceux achetés dans la lave, mais je ferai attention. Voilà. Alors, et les nouvelles du côté de F. Savard, donc on va y aller. Et c'est d'ailleurs ça qu'on va faire. Ouf, n'importe quoi. Ville MDJ. Alors, pour aller plus vite, je vais me mettre en créatif, mais c'est juste pour vous montrer. Hop. Ah ben voilà, il a commencé. Comment? On a trouvé en fait un second village PNJ qui est vraiment pas loin du premier. Donc on va essayer de rapatrier les PNJ dans le désert. Donc F-Savard a commencé un chemin. Il n'a pas compris. Moi je lui ai dit des chemins de rail et puis il s'est fait un chemin en bois. Bon, enfin bref, c'est... Oula! Excusez-moi, il y a encore des lags. Et puis je vous dis, mon PC est malade en ce moment. Donc... Voilà. Tiens, d'ailleurs, je devais vérifier un truc. Non, ça marche très bien. Ok, d'accord. Bon, donc, et ben, je... Comment? Et puis, il a trouvé une mine PNJ pas trop loin. Il faut que je me rappelle d'où elle est. Où on pourra donc choper les rails qu'il nous faut. C'est là. C'est là. Hop. Donc là, faut tomber ici. C'est pas par là, c'est de l'autre côté. Puis il a trouvé un village de PNJ, je sais plus exactement où il est, mais il est dans le secteur. Oups, je sais plus. Il est dans cette crevasse là, mais je sais plus du tout où exactement. Il y a une mine PNJ dans le secteur, je sais. Il me l'a montré rapidement, mais bon, je me souviens plus où elle est exactement. Je lui ai dit s'il pouvait filmer pour comment pour l'exploration de la mine PNJ, ce serait sympa, puis je l'intégrerai à mes vidéos. Sinon, ben tant pis. Bah écoutez, je vais essayer de retrouver l'entrée de la mine PNJ. De toute façon, elle est pas bien loin. Et puis on se retrouve à l'intérieur pour récupérer un maximum de rails. Enfin, ça va pas être très intéressant, je vais mettre ça en accéléré hein, de toute façon. Et puis bon, on se retrouve après. À tout de suite.
Très bien, et ben après ce long... Attendez, je mets en plein écran, voilà. Comment le... Après ce long accéléré, donc nous nous retrouvons au village PNJ, donc j'ai récupéré quelques rails et surtout beaucoup de barrières. Les barrières, à quoi elles serviront? Elles serviront à faire un enclos autour du... de l'hôtel à PNJ, parce qu'on a embêté les... Comment les... Comment les PNJ se font attaquer régulièrement par des... Comment par des zombies, donc résultat, bah on... Ça stoppe un petit peu leur leur reproduction, donc on va faire un enclos tout simplement pour les protéger. Hop. Donc je fais ça avec vous, je sais qu'il reste à peu près 4 minutes de vidéo, donc on fait ça ensemble. Donc il y a ça, puis on va avec les quelques rails que j'ai récupérés, même si on va devoir en produire quelques-unes par nous-mêmes, on va rapatrier quelques PNJ du village voisin. Et les ramener dans l'hôtel. Comme ça on sera tranquille. Je prévois 2 de largeur, comme ça au moins ils ont de quoi se balader. Je sais pas trop comment on va faire pour isoler ceux qui nous intéressent, mais bon, on trouvera bien une solution. Bien sûr. Hop. Bon, il y a toujours quelques lags sur le serveur, mais ça va nettement mieux qu'à la sortie de la 1.6. Hein. Alors pendant l'accéléré, vous avez dû voir comment je me suis mis à FK quelques fois. Voilà, c'est parce que je suis occupé chez moi. Ce qui m'a valu une mort d'ailleurs. Un zombie m'a tué pendant que j'étais AFK. Enfin, c'est pas trop grave. Ah, qu'est-ce qu'ils vendent? D'accord, les bébés ne vendent pas encore d'objets. Lui, qu'est-ce qu'il propose? Ouais, on l'a déjà vu. Hop, toi, non, pas intéressé par... Bon, on va bien voir de toute façon ce qui les intéresse. Qu'est-ce que tu veux, toi? Nope, nope, nope. Lui c'est du charbon. Lui je vais le faire rentrer dans l'enclos avant de fermer. Allez, sors de là. Hop, merci. Barrières. Voilà, le puits finalement, je sais pas si je vais l'inclure, je vais faire le contour, je sais pas. Il me plaît bien le puits, j'ai pas envie de le démolir. Ouais, quoi qu'il représente une faille de sécurité, donc on va le démolir, c'est pas grave. Ok, ok, donc petite fin d'épisode détente. Hein, ouais, j'aurais dû démolir l'eau avant. Voilà, que dire de plus, je sais pas ce que font les autres joueurs, ils sont pas connectés, ils sont pas... Le F. Savard, j'ai vu qu'il s'était pas connecté aujourd'hui, mais il était connecté hier soir, donc... Bon, donc finalement, ouais, j'aurais... Comment, ce sera pas lui qui aura fait l'exploration de la mine PNJ, ce sera moi, donc... Voilà, voilà, organisation, organisation. Je boucherai bien ça quand même. Ouais.
là, avec un peu de grès. Hop, tac, tac, tac. Là, ça, on... Je le démolirai à la limite hors caméra. Enfin, ça, c'est pas très très long, mais bon. Voilà, comme ça, au moins, nos PNJ sont en sécurité. Tant pis, on cassera une barrière, on ressortira. Parce qu'on peut pas mettre de portillon parce que les PNJ les ouvrent. Donc voilà. Au moins là ils sont en sécurité. Je refais un tour rapide de l'enclos pour vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas de bloc adjacent qui risque de comporter une faille? Ah. Voilà, voilà, voilà. Bon. Pour sortir, je vais pas m'embêter. Homme, ville, MDJ. Voilà, comme ça j'apparais à l'extérieur. Et puis je viens voir pour rapatrier les PNJ. On fera ça à l'épisode suivant, certainement en accéléré. Je retourne à la base me faire quelques rails supplémentaires. Et puis on se retrouve à l'épisode 9. Donc en espérant que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.